J'ai enfin fait mon premier vase en céramique et je suis trop contente. La semaine dernière, j'ai fait plein de tests, vous voyez au-dessus dans la vidéo, je recherchais des formes un peu abstraites. Je sais que je voulais y incorporer absolument des formes de fleurs, mais j'avais pas vraiment d'idée précise en tête, donc j'y suis allée un peu au feeling. Je suis encore dans une phase de recherche, mais par rapport à la dernière fois, c'est beaucoup plus net et précis. Pour commencer, mon vase a été tourné. La dernière fois, je l'avais modelé à la main. Du coup, il y avait des traces de doigts et ça faisait un côté un peu plus rustique. Alors que là, c'est bien net et je préfère. Ensuite, les anses abstraites en forme de fleurs et de vagues, je les ai formées hier. Du coup, là, elles ont une tenue parfaite parce que la texture le permet. L'application est beaucoup plus facile. J'ai beaucoup hésité à comment placer mes pièces et j'ai utilisé cette application qui est géniale. Ça permet de prendre des photos et de faire des retouches pour simuler ce que je veux comme rendu. Ça m'a beaucoup aidé à trouver les formes parfaites et voici le rendu final, prochaine étape.